Wesh les gars, c'est Decabrek. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Dans cette vidéo je vais vous expliquer comment utiliser un code de carte de bug. Mais bien sûr avant que la vidéo ne commence, si pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner avec la cloche des notifications et que vous le sache. Sans plus attendre, c'est parti. Alors du coup ce que vous allez faire, c'est que vous allez ouvrir votre navigateur internet. Vous allez marquer Fortnite Redeem V-Buck Card. Sinon le lien sera en description. Vous prenez le premier lien. Du coup vous arrivez juste ici, Redeem Your V-Box Card. Du coup je vais mettre en français. Ensuite vous devez bien être connecté à votre compte Epic Game. Alors connectez-vous, c'est très important. Ensuite faites commencer. Et là vous devrez taper le code PIN du coup qui s'affichera derrière votre carte. Du coup c'est juste ici. Alors du coup moi vu que je l'ai pas encore fait, je vais la gratter. Je vais munir d'une pièce de 1€. Voilà. Du coup, vous pouvez voir qu'on a bien gratté et vous avez un code. Alors, vous allez rentrer le code exactement, du coup, comme c'est écrit. Alors, bien sûr, vous n'êtes pas obligé de mettre les espaces, les gars. Enfin, les tirer, mais voilà. Du coup, vous rentrez bien majuscule par majuscule. Du coup, voilà. Ensuite, une fois que vous avez rentré votre code, vous allez cliquer sur suivant. Là, ensuite, choisissez l'appareil de Fortnite où vous jouez. Du coup, vous voyez bien, c'est une carte de 1000 V-Bucks que j'ai. Moi, je joue sur PC. Vous faites suivant. Du coup là je peux voir compte Epic, Decathlon, c'est bien ça, appareil PC Mac, votre solde de V-Bucks sur votre compte 1200, montant de la carte 1000, total de V-Bucks après utilisation du code 2200. Du coup vous allez faire confirmer et là normalement vous avez marqué vous avez des bugs. Vous avez obtenu 1000 V-Bucks que nous avions ajouté à votre compte porte-monnaie. Connectez-vous à Fortnite pour dépenser vos V-Bucks. Alors bien sûr du coup ce que vous allez devoir faire les gars, c'est que vous allez devoir fermer le jeu et le relancer. Du coup on se retrouve tout de suite dès que je le relance. Voilà, du coup, normalement, vous avez ce petit message. Objet acheté obtenu, les objets que vous avez achetés vous attendent. Et du coup, comme vous pouvez le voir jusqu'en haut, je suis passé à 2200 V-Bucks. Alors qu'au début, j'étais tout simplement à 1200 V-Bucks. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner avec la cloche des notifications. Mettre un petit pouce bleu au passage. C'était Decabrek. Tchuss.